Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ma compagnie et celle de Mani. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Toi, tu te souviens? On va faire des Pokémon. Des Pokémon! Aujourd'hui, on va ouvrir des boosters Pokémon qu'on a acheté tout à l'heure. Du coup, let's go, c'est parti. On adore Pokémon. Donc, la boîte, elle se présente comme ça. Du coup, c'est sur Nymphalie. J'adore. Mais pourquoi il n'y a pas Pokichou? Pokichou. Le mec dans Pokémon, le seul truc qu'il a retenu c'est quoi? C'est Pikachu. Tu sais que tout ne se résume pas à Pikachu? Non mais oh, il y a d'autres Pokémon dans la vie. La vie déjà elle n'existe pas de base. Mais si elle existe. Non, il y a une grenouille, non, une tortue. Il n'y a pas de... c'est leur monde. Et lui il est resté sur la première génération. Du coup on va déjà essayer de l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. J'ai réussi à... Ne casse pas la boîte. Du coup, c'est parti, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Je crois que normalement, il y a 4 boosters. Wesh, il y en a 1000. Oh la carotte, t'es mal, la boîte, il n'y a rien dedans. Ah, ils ont fait un sale. Comme ça, là. Bah, qu'est-ce qu'elle a fallu. Bah, genre, elle est dans le truc. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a, la carte spéciale, elle a rien. Bah, si, c'est une 200 PV et en plus de ça, genre, elle est brillante. Elle brille même pas. Mais si, elle brille. Vas-y, montre-leur si elle brille. Mais si, regardez, elle brille. Du coup, c'est parti. On en prend 3. Ok. Parce qu'on va en laisser un pour TikTok pour que Mani puisse faire une vidéo TikTok. Du coup, tu vas choisir ton paquet. J'ai les beaux gosses. Ok, tu peux le montrer? Celui-là, il est beau gosse, c'est un phénix. Waouh! Moi, je vais prendre celui-là. Et entre les deux, je vais prendre celui-là. C'est quoi ça? Un poulet? Un poulet, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un poulet. C'est pas un poulet! C'est qui? C'est Arceus. Ah, tu le connais, Jean? Bah oui. Tu connais tous les noms? Non, je connais pas. Ah, lui, je le connais, lui, c'est Dracaufeu. Du coup, let's go, c'est parti, on va ouvrir. Ok, on va faire en format vlog, comme ça, ça sera plus simple pour ouvrir les boosters. On va commencer par moi, parce que comme j'en ai deux et lui, il en a un, on va commencer par moi. Après, ça sera lui, et après, ça sera moi. En plus, moi, je les connais tous, les noms. C'est totalement faux, il connaît rien du tout. Ok, du coup, déjà, on a Nymphalis qui est super. On va ouvrir un booster, déjà. Arrête, ça se trouve, elle vaut des millions, t'as dû l'acheter comme une patate comme ça, là. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On va commencer par Arceus, ce paquet, on va voir ce qu'il y a dedans. Déjà, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait bien. Mais on respecte pas le paquet, ouais. Ça se trouve, il y a des cartes à. De Draco, si respecte... Draco, or, là. Mais je sais qu'est-ce pas que quoi, tu là. Racontes? Je respecte le truc. J'essaie d'ouvrir bien. Tiens à dire, les gars, je suis pas une pro. Une pro de l'ouvrage. Je sais même pas si c'est ce qu'on dit. On dit de l'ouversation. De l'ouversation. Ok, j'essaie de rien déchirer. Quand j'étais petite, j'étais trop fan des cartes Pokémon. Est-ce que vous aussi, vous avez eu cette enfance où tout le monde a la cour de récré avec des cartes Pokémon? Et du coup, t'essayais de collectionner les cartes. D'ailleurs, mon frère, petite story time, c'était un gros pigeon. Une fois, il est venu me voir et en pleurs. Il m'a dit, Clara, ma carte Mewtwo et tout, ils me l'ont volé, etc. Ils me l'ont donné contre un Magikarp. J'étais en mode, quoi? T'as donné genre ton Mewtwo contre un Magikarp? Mon frère, il était trop con, hein, je vous assure. Genre, du coup, et bah, à cause de lui... Et bah on avait perdu une carte Mewtwo. J'ai cru que j'allais défoncer sa race. Et ils auraient dû être millionnaires maintenant grâce à la carte de Mewtwo. Ok, du coup on va ouvrir. Vous êtes prêts? On va voir les cartes. Donc voyons, là ce qu'on a c'est quoi? On a un crack noir. Niveau 60. C'est quoi ça? Bah, c'est on a dit un Malteser. Un Malteser. Ensuite on a quoi? On a un Crickno. Attends, mais ça c'est que des cartes claquées qui servent à rien ça? Mais non, mais après tu vas voir, il y aura les cartes fortes. Ok, Mr. Bouillet. Ça c'est un renard. C'est un renard. Attends, mais c'est un QB de chez Wish. Un QB. Il claquait le truc. Ok, on a quoi d'autre? Oh, on a Electek. J'adorais ce Pokémon quand j'étais petite. Il y a eu un combat contre lui et Pikachu. Ok, on a Fourbelin. Mais t'es en train de les abîmer les cartes là, comment tu les tords là? Elles coûtent des millions ça se trouve. À terre à clap. Attends, je vais essayer de faire un... Oh, j'adore ce Pokémon du Moray. C'est quoi ce nom? Tu connais pas? Non, mais tu regardes ce Pokémon. Ok, on a une énergie haut. Et là... Ça va, sert à quelque chose cette carte là. Et là, on va voir si on a des cartes fortes. Oh, celle-là elle est belle. On a Zamazenta, niveau 2. Et on a Maganon, niveau 140. Oh, j'adore ces cartes, regardez. Elles sont trop belles. C'est trop bien. Ok, maintenant ça doit être à toi, Mani. Tu vas ouvrir ton
paquet de cartes Pokémon. Est-ce que tu es prêt, Manny? Bon, les gars, moi, je vais ouvrir mon phénix. Donc, vous me dites en commentaire si je vais devenir riche ou pas, parce que moi, je leur donne pas ces cartes. C'est elle qui les a achetées. Quoi? Mais si jamais je gagne, vous me dites. C'est pas... Après, je les envoie au truc, là, au trésor public, des trucs, là, qui vont me donner des étoiles. Et après, j'ai vu, moi, dans la vidéo à Michou. J'ai vu dans la vidéo à Michou. Du coup, vas-y, tu vas les ouvrir, là. On va voir ce qu'il y a dedans. Là, déjà, on m'a dit avec on peut pas délicatesse. On peut même pas ouvrir avec délicatesse. Ah, ça y est, c'est bon. Regardez ça. Après cette vidéo, les fans des cartes Pokémon vont nous poursuivre en justice pour avoir maltraité des cartes Pokémon. Ah mince, déjà, c'est à l'envers. Non, alors par contre, je vais t'expliquer un truc parce que... Attends, mes cartes, attention! En fait, en premier, il y a les cartes rares, du coup, je vais... Ah! Dernier des cartes. Voilà. Vous voyez comment elle n'a pas respecté mes cartes déjà? Mais elle a cru que c'était ses cartes, c'est mes cartes. Allez, vas-y. Du coup, là, tu les mets un peu. T'as pas fait le truc de 3, 4, 5 là? Non, t'inquiète. Non, quoi, là, tu vas voir. Ok. Vas-y. Tiling! Mais wesh, c'est quoi cette carte à l'envers? C'est un. C'est quoi cette boule cochichro là? Conchichon là? En plus, il est même pas fort. Mais wesh, pourquoi les. Ça, c'est quoi? C'est un tank avec de la fumée. Vorkamine. Moi, je préfère Sangoku ou Vegeta. Hein, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Oh! Il y a un mec de manga, regardez! Il y a un mec de manga. C'est qui lui, Aldo? C'est qui Aldo? C'est qui Aldo? Répondez en commentaire, qui est Aldo? Ok, regardez celle-là, je la sens bien celle-là. C'est quoi ça? C'est une énergie feu. Une boule de cristal. Mais c'est claqué, wesh. C'est une Pokéball? Non, ce n'est pas une Pokéball, c'est une énergie. Très intéressant les Pokémon. Ouais, j'ai un clown avec une tête sur une couille sur la tête. Regardez, wesh. Il y a une petite tête là. Une petite tête. C'est n'importe quoi ce dessin animé. Regardez celle-là, je la sens bien celle-là. Vas-y. Oh, celle-là elle brille un peu. Celle-là elle est pas brillante, elle est nulle. Celle-là elle est nulle. Oh, elle est trop mignon. C'est Osley. Tu connais pas? Il y en a plus que trois, les gars. Dites-moi, normalement, la richesse, elle est là. On m'a dit que les trois dernières, genre, c'était la richesse totale. Vas-y. Mais elle est claquée, c'est quoi, ça? On aurait dit le mec dans H&N Center, Center là, la fourmi, là. Putain. Alors, celle-là, les gars, regardez bien, regardez. Mais wesh, pourquoi toi, t'as eu deux brillantes? Moi, j'en ai pas. J'ai un chien qui tire des rochers là. Celle-là, regardez. Regardez ça. Regardez, je vous fais le bisou d'eux. Tu y crois. Ah! Mais j'ai un singe avec une tête bleue, cousin. Un singe? Hey, mais c'est Lexi. Mais c'est grave nul. Attends, ça veut dire que j'ai qu'une carte bonne? J'ai que ça là. Pika, Barba Papa là. Bah écoute, c'est comme ça, c'est la vie. C'est vraiment nul. Du coup, c'est parti, on va ouvrir le dernier. La solitude dans son regard. Ok les gars, pour l'instant on a eu ça. On va voir ce qu'on a dans le dernier paquet. Le suspense est à son comble. Ok les gars, on va ouvrir le dernier paquet. On va voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on va avoir des cartes rares? Telle est la question. Vous avez 4 heures pour y répondre en commentaire. Ok, let's go. Déjà, on va mettre les cartes là comme ça. Et on va ouvrir. On va essayer d'ouvrir de manière très délicate. Vachement délicat ce que tu viens de faire. Ah, c'est mais très très délicat. Si c'est délicat, je t'assure. Du coup les oiseaux, c'est parti. On va faire ça comme ça. Et après, regardez comment les manipule. Wesh, dis-moi comment les manipule. Aucun respect envers la. Quoi, mais comment ça, aucun respect? La Pokémon. Ok les oiseaux, c'est parti, on va voir. Première carte. Oh, quoi, je trouve trop mignon ce Pokémon. Celle-là elle brille, celle-là. Oui, elle brille. C'est la mienne. Non. Ouais, c'est ok, on a. Un hibou. Oh non, il y a Skitty! J'aimais trop ce Pokémon aussi quand j'étais petite. Ok, là il y a quoi? Il y a Toxizap. On a Spododo. J'arrive même plus. Là il y a quoi? Ok, d'accord, il y a Pyronil. Non, lui il est bien lui! Ça va. Là, ok, il y a lui. Oh, niveau PV 100, pas mal. Ok, il y a Click, niveau 90. Là on a celui à niveau 130. Là, on a une carte énergie et la dernière. Oh! On a un Drattak PV 220! Mais regardez-moi
ça. Du coup, si on fait le compte, on a celle-là, on a celle-là, on a celle-là. Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que ce n'est pas incroyable? On valide, on valide. C'est incroyable, dis donc. Waouh. Ok, du coup cette vidéo est terminée. Je tiens à le redire, on n'est pas des experts en cartes Pokémon, hein, donc il y a plein de trucs, etc. qu'on ne voit pas forcément comparer aux gens qui ont l'habitude d'ouvrir des boosters, etc. et qui sont très calés dans le truc. Cette vidéo était juste là pour s'amuser, donc en commentaire, s'il vous plaît, calmos, ne vous emportez pas. Du coup, bah c'est cool, on a eu quelques cartes assez bien, je trouve. Ça, c'est les miennes. Non, c'est faux. C'est... Ça a été filmé. On sait très bien qui a eu ces cartes. Lui, il a eu des cartes trop nulles. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on ouvre d'autres boosters Pokémon un jour. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Peace.